Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui dans le cadre du cours sur l'anatomie et plus précisément l'ostéologie, nous allons étudier les territoires sensitifs. Les territoires sensitifs cutanés proviennent de la segmentation métamérique en bande chez l'embryon, dermatome. Le développement des boujons de membres conserve les bandes d'innervation sensitives dans l'axe du membre. Comme repère au membre supérieur, la bande de C7 est celle du majeur, avec C6 pour le pouce et le bord externe de l'avant-bras, et C8 pour l'auriculaire, et le bord interne de l'avant-bras. Au membre inférieur, la rotation interne au cours du développement, pied en éventail devenant parallèle, complique un peu la description. Pour mémoire, L2 à la face antérieure de cuisse, L3 à la face antérieure du genou, L4 à la face antéro-intime de jambe, L5 au dos du pied et S1 à la plante du pied et à son bord externe. Au tronc T4, T6 et T10 correspondent classiquement au mamelon, à l'apophyse xiphoïde du sternum et à l'ombilique. La systématisation des territoires cutanés peut également être décrite en termes de nerfs sensitifs avec une cartographie différente. Je vous en remercie. Bonjour.